Bonjour à tous les amis, c'est Pokémon5 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour le 66e Poké News. Pas sur Pokémon, heureusement. Mais cette fois-ci sur Minecraft, toujours sur le site Minecraft Actu, hein. On va pas changer. Qui portera sur deux choses différentes. Une sur une mini mise à jour qu'il y aura prochainement pour la 1.11 qui s'appellera un petit peu. Selon les sources, elle se nommera la mise à jour malchanceuse. Vous verrez pourquoi plus tard dans la vidéo. Alors, commençons par des petites corrections de bugs. Les têtes, comme vous voyez dans cette image, étaient à l'envers. Bah, ce bug sera corrigé. Et comme nous le dit dans le texte, les potions de luck ou de chance en français seront supprimées de l'inventaire créatif car elle ne servait à rien et qu'aussi parce que sur la Pocket Edition on ne peut pas la crafter. La potion de lévitation n'aura plus sa flèche et des mises à jour au niveau des feux d'artifice auront lieu prochainement. Passons ensuite aux bannières et comme vous pouvez le voir, Jeb a quelques prototype ou de proposition de nouvelles bannières possibles, comme avec la tête du dragon qui nous permettra de faire bah, un dragon comme dans les temps du Moyen Âge, il me semble que c'était ça. L'œil de l'Ender ne vous sera beaucoup plus utile car il nous permettra de faire un peu un œil mystérieux. L'épée pour l'instant, c'est ce qu'on peut voir, mais nous permettra de faire comme une sorte d'épée dans la bannière, peut-être que ça marchera pareil pour la pioche, la pelle, la houe et la hache, voire même l'arc, la canne à pêche, le briquet, etc. Et les armures formeront un espèce de bouclier, voilà. Quelques autres propositions pour les bannières, et comme vous voyez au milieu, un espèce de socle bizarre y est présent. Peut-être un nouvel élément de décoration ou d'un nomade. Ou voire même ceci pour la tête du dragon. Et voilà, on va se quitter sur la tête du dragon. J'espère que ce 66e Pokénews vous aura plu. Si vous avez le temps de le faire, mettez en commentaire entre les 4 bannières quelle est votre préférée et si vous êtes impatient pour la mise à jour des feux d'artifice. Moi, pour l'instant, je vous dis rendez-vous à la prochaine pour de prochaines news. C'était Pokémon 5, enjoy!